Hey, salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Stardew Valley. Alors, tout simplement, on a mis notre fertilisant. Voilà, on a des petits trucs à ramasser, on va les ramasser. Je sais pas trop à quoi ça va nous servir, c'est pas vous, mais écoutez, voilà, ils sont là, on va les vendre. Parce que je vois pas à quoi ils pourront nous servir. Donc, on vend ça, et je pensais que le fertilisant nous ferait plus que ça, mais... Clairement, dites-moi où vous voyez que l'on... Il faut pas arroser. Wow, c'est trop compliqué de différencier là où il faut arroser de là où il faut pas arroser. Surtout pour le blé. Wow. Ah ouais, là c'est chaud les gens. C'est très chaud. Ah punaise. Oh là là. Oh, je déteste ça. Bon bah écoutez, je vais me prendre la tête pour pouvoir arroser tout ça et je vous reprends après hein, les copains. Alors les amis, on se retrouve, donc j'ai arrosé, j'ai débrouillé un peu tout ce qui était zone labourée, etc. Donc là, le truc, c'est qu'il va falloir réussir à descendre dans la mine, mais là, totalement, j'ai pas envie. Mais apporter une bière blonde à Pam, je ne vois pas du tout comment on peut faire. J'ai vraiment l'impression que au niveau de l'artisanat, il y a quelque chose à faire. Machine à mayonnaise... Pancarte en pierre, une ruche, forge, pancarte en bois, ok, l'épouvantail, donc le coffre, ça on connaît. Tac, clôture en bois. Je vois vraiment pas ce qu'il faut faire. Hein. Permet de descendre d'un niveau dans les mines. Waouh, 99 pierres pour ça. Et d'ailleurs, on avait fait des récupérateurs de sève, attendez. On a quelque chose dedans? On n'a pas été voir depuis. Je clique dessus, il se passe rien, donc je ne sais pas trop. Je fais n'importe quel clic, il y a rien qui se passe, donc je pense qu'il n'y a rien, hein, clairement. Donc là, j'espère que demain, la prochaine journée, on pourra récupérer des choses. Là, les melons sont en train de pousser. Bah écoutez, je vais retenter de pêcher un coup, histoire de voir si je vais y arriver. Tac, tac, tac. On va se refaire un casse-croûte histoire de voir un peu comment ça se passe. Tac, 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 casse-croûte. C'est parti, artisanat. Merci, monsieur, madame. Et oui, on mange ça. Yes. Alors, c'est parti. On va essayer d'aller repêcher un petit peu parce que je comprends l'astuce, vous voyez. Mais la mettre en pratique, je trouve ça vachement compliqué. Mais il va falloir s'y mettre. Et se retrousser les manches pour y arriver. Donc, c'est parti. Allez, coco. Hop. Il va falloir qu'on trouve aussi où il est le caleçon du maire. Franchement, ça, j'ai pas compris. Quand j'ai eu cette mission, je me suis dit, c'est quoi ce délire? Nous sommes dans un monde parallèle. Ah, nice, elle a une petite étoile. Ça va être sympa, ça. Ça va nous rapporter plus de sous, les amis. Salut, toi. Hop, c'est parti. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer sur la plage? Non? Il n'y a rien à récupérer? Oh, c'est vrai, ils sont pas sympas. Oh. Alors ça... oh, on va pouvoir la vendre, elle. Alors, ah, ah, ah. Un corail. Un oursin. Un autre corail. Ok, bon, on a quand même récupéré des petites choses. Écoutez, ma foi, c'est plutôt bien. Alors, c'est parti. On va aller pêcher. On va aller sur le quai là-bas. Et on va essayer de s'y remettre. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà tout ça. On va le foutre là-dessous. Histoire de voir le résultat de notre pêche. Et on va pêcher un tout petit peu. On va pas passer notre vie à faire ça dans les épisodes, je vous le dis. Parce que clairement, c'est pas full passionnant. Mais ça fait partie du jeu. Alors, ok, on a acheté, il est pas parti loin notre hameçon, mais écoutez, c'est la vie. Allez, allez, est-ce qu'on va avoir de la chance? Est-ce qu'on va avoir un petit poisson qui va mordre? Alors? Allô le monde? Ouais, je te confirme, moi aussi je pose des questions. Ah, j'ai compris! Ok, donc il faut
Yes! Ok. C'est bon, j'ai capté. Faut maintenir le clic pour lancer le fil. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas essayé de pêcher dans le jeu, les amis. C'était au tout début où j'ai essayé de pêcher. Et c'était juste affreux. Mais tu mets un point d'exclamation. Mais écoute, cocotte, j'y peux rien si ça mord pas. Allez, on veut un hit, s'il vous plaît. Ah. Willy. Alors, Willy. Ça mord pas, c'est horrible, les amis. Oh! Oh là 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 là. Allez, un hit s'il vous plaît. Mais des fois, je sais pas. Normalement, ça met hit, hein. Je suis pas tarée. La première fois où on a pêché, ça nous a mis hit quand on devait avoir nos poissons. Allez, s'il vous plaît, soyez sympa. Oh là 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 là, c'est affreux. Bon. Non, mais... Les vrais pêcheurs respectent la mer et les rivières, ne l'oublie jamais. Ouais, je veux bien, Willy, mais là, ça pêche que dalle, moi. Allez, s'il te plaît. On en veut au moins un, quoi, les amis, sérieusement. Seriously, là. Allez, un hit, un seul, quoi. Histoire qu'on prenne pas pour une dingue, quoi, sur cette planète. Les 19h, on a toujours pas eu un seul poiscaille, quoi, c'est... C'est affreux. Bah allez, au moins un, quoi, s'il vous plaît. Alors, les amis, je me sens vraiment nulle, là, là, tout de suite. Après le coup du dernier épisode et des mines, on a dû faire demi-tour parce que, bah, sinon on allait clairement mourir. Et là, bah, on n'a pas de poisson, quoi. Non, mais sérieux. Bon, bah, oui, moi, j'abandonne, hein. Ah, il va vraiment falloir que j'arrive à trouver cette fichue, à comprendre à mort, cette fichue technique de pêche. Parce que là, ça mène à rien, tout ça. C'est juste de la perte de temps. C'est affreux. Je crois qu'il me faudrait un maître dans ce jeu. Parce que là, clairement, c'est complexe. Hop. Et le truc, c'est que voilà, on arrose, mais il faut que les trucs poussent. Donc, c'est compliqué. Pourquoi mon inventaire est comparu là-haut? Ça, c'est la grosse blague. Vous voyez? Et là, il revient en bas. N'importe quoi. Mais elle bosse quoi? Mais elle dort jamais, elle. Mais sérieusement? Elle dort jamais? Allez, l'eau. Allez, on va encore casser un arbre. On a de l'énergie, donc on en profite. Et de toute façon, il va nous falloir refaire des réserves de bois. Allez, on va aller voir quand même dans la grotte, histoire de voir un peu ce qui s'y passe. Mais ça me perturbe quand même, il n'y a rien qui se passe. Je croyais qu'on était censé avoir des fruits de temps en temps ou quoi. On n'a rien en fait. Parce que je dois pas les attaquer mes chauves-souris, je suppose. Ça serait un peu glauque, non? Alors attendez, on va mettre à vendre les trucs aussi, c'est vrai. Tac, 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 tac. On vend tout ça. Ok. On va mettre la fibre là-dedans. Hop, ça. La sève. La canne à pêche, je la remets là-dedans. Elle retrouve sa place, j'ai envie de vous dire. Parce que clairement, je n'y comprendrai jamais rien, cette pêche. Bon, bah voilà. Premier jour de peut passer. Oui. Ah!
Alors, les amis, c'est bon. Donc, on a eu nos petits sous-sous un peu. Écoutez, moi, j'ai vraiment envie de savoir où est passé le caleçon du maire. Je pense que clairement. Ah, nice! On a récupéré 100 gold. Ah, nice! On a notre foin qui est poussé. Eh, il va falloir aller voir notre petit copain là. Alors, les piments. Il va falloir aller voir Pierrot. Histoire de voir du vent de tout ça. Fleurs de courge. Il faut que je les replante. Je me pose des questions des fois hein, sur les trucs que j'ai mis à planter. Hein, parce que fleurs de courge. Ça veut dire qu'il faut que je la replante. Je comprends pas tout. Bon, en tout cas, elle a fini notre poulailler. Et non, je vais pas la manger. Ah, mais c'est affreux dans ce jeu. On peut pas avoir les mains vides. Ah, ok. Et donc là, on doit leur mettre du foin, etc. Bon, à mon avis, il va falloir faire une clôture, je sais pas, un peu autour. On va voir combien coûte un animal, tout simplement. Bon, avant, on va aller tout simplement voir Pierre. Ah, ça ouvre à 9h. Bon, j'arrose tout ça et je reprends après. Alors, j'ai arrosé tout ce que je pouvais arroser. Il va être 9h, donc c'est nickel. On va aller chez Pierre, histoire de racheter de quoi faire planter du blé. Et par contre, par rapport aux fleurs de courge, ça me pose question. Attendez. Citrouille, igname, ok. Du lait. Ok, donc ça, il va falloir avoir une chèvre. Une vache, etc. Donc, ouais, là, il va vraiment falloir faire des gelées, grenades, pêche, orange. Ah, il va falloir qu'on passe planter des arbres. Hein. Alors, on va voir chez Pierre. Allez, c'est parti. Il est 9h, en plus, ça tombe bien. Voilà. La fleur de courge, je comprends pas. Je comprends pas le délire du truc. Donc, ah oui, il va falloir aussi faire la quête de Clint. Ah, il y a la quête. Ok, bon, ça c'est temps. Fermé le mercredi. Non, mais c'est une fichue blague. Oh, je suis dégoûtée, j'en ai marre. Bah écoutez, on va à la mine vite fait. Ils veulent qu'on tue 6 slimes, on va les tuer. Et si on peut réussir à avoir plus de cuivre, je dirais pas non. Hop, allez, c'est parti. J'ai l'impression de passer ma vie dans cette mine, c'est horrible. Et après, on va aller voir Marnie. Pour voir combien ça coûte une poule, tout simplement. Donc là, ok. Donc la bière à pain, enfin, je sais même pas comment faire, quoi. On va aller récupérer le raisin là-haut. On va pas embêter Linus, il aime pas trop parler avec les gens. On va le laisser en paix. Là, tout ce que je veux, c'est ce fichu raisin pour me nourrir au cas où j'ai besoin dans la mine. Et on va essayer de tuer 6 slimes, écoutez. Et on va surtout essayer d'atteindre le niveau 10 pour une fois. J'ai arrosé tout ce que j'avais à arroser. Je peux rien faire de plus au niveau de. Je voulais des graines, justement, de blé. Parce que le blé pousse assez vite. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Ainsi soit-il. Hop! Mais non, mais c'est pas vrai! J'appuie sur l'ascenseur! C'est affreux. What? Parchemin? Ah, il faut qu'on amène ça au musée alors. Ok, on a tué deux slimes. Tac, c'est parti. Alors, on va tuer ce petit biniou qui traîne. On peut aller là-bas ou pas? Seriously? C'est quoi ces grottes où on voit rien? What the fuck? On n'a rien ici. Attends, on est au niveau 5. C'est la première fois que je vois le niveau 5 de cette façon. Je suis pas complètement taré là, si? Non? Peut-être? Alors, où est-ce qu'il est le passage pour descendre?
J'ai l'impression que la grotte était pas comme ça la dernière fois. C'est moi ou je suis dingue? Allez, s'il vous plaît. C'est cool de casser de la pierre, mais j'aimerais bien voir le chemin d'entrée. Comment on peut savoir où il faut passer alors qu'on n'y voit rien? Enfin, à un moment donné, je veux bien être sympa, moi. Mais si on voit rien, comment on descend? What the fuck? Oh là là, c'est quoi ce truc? Ah, c'est terrible, c'est affreux. Il se moque de tout. Et nous, pauvres pouilleux, il nous jette tous les deux. Non, il faut que j'arrête avec le Disney, hein, mais je sais pas, j'arrive pas. Est-ce que je peux. Non, je peux passer nulle part en vrai. Oh là là. Moi, je veux bien casser tous les minerais de la terre, hein, mais si je vois pas d'entrée là. À part gaspiller de l'énergie, je fais pas grand-chose là. Je vois rien. Ah, punaise, enfin. Allez, c'est parti. Allez, meurs, s'il te plaît. Troisième slime. Alors, c'est parti. Donc, on a découvert des échelles, mais il y a du cuivre. Alors, perso, là, le cuivre, je prends. On en a besoin. Tac. Hop, c'est parti. Donc, on est descendu encore. On est au niveau 7. Ah, bah, il y a un slime là. Nickel. Allez, quatrième slime. Éliminé, les amis. Hop. Je m'y attends jamais avec ces trucs, c'est horrible. Ça en est un autre là. Sur le côté, j'en suis sûre. Ah non, c'était vraiment un rocher. Ah, on n'a plus de place? Non. Ah si. Tac, tac, tac. J'ai plutôt envie de manger ça que ça. C'est pas étoilé, donc tant qu'à faire. Alors, on a récupéré 20 HP. Alors, où est-ce qu'elle est l'échelle? Ah, il veut pas ramasser ça. Ah, mais c'est flûte, flûte cacahuète, ça m'énerve. Ah, tac. Yes. Ah, je suis pas allée là. Ok. Ah, donc il y a des slimes et des machins volants. Il y a du cuivre. Ah bah. Alors, on va finir cette quête. Et je vais regarder où on en est au niveau du cuivre également après. Allez, bon sang. Bon, en tout cas, notre poulailler est fini. Et ce que j'aimerais savoir, c'est le prix. Et Marnie a un faible pour le maire. Donc j'ai envie d'aller voir près de chez Marnie. On sait jamais, c'est forcément quelqu'un qui lui a volé, quoi. Enfin, même si je vois pas trop l'intérêt de voler le caleçon du maire. Mais bon. Écoutez, il y en a qui sont fous hein, dans notre monde. Hein. Hop. C'est bon, on a récupéré ça. Donc on descend. Par contre, le prochain truc que je vais manger, c'est quoi? Ça sera ça. Hein. Alors écoutez, hop. Allez, on descend. Niveau 8. Et là. Ah, mais il est pas comme d'habitude. Ah, bah l'échelle est là. D'habitude, on galère à ce niveau-là. Bon. Il y a du cuivre, je prends. 17h30. Quoi, ça... Faut qu'on fasse attention à l'heure. Hop, hop, hop. Ah, il y a une caisse. Il y a un truc volant. C'est parti, on casse ça. Hop. Allez, on va descendre niveau 9. Hop, 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 hop. Ok, donc c'est quand un endroit sombre, un peu chelou. Écoutez, on va s'y faire. Y a rien ici. Par là, est-ce qu'il y a quelque chose à part un slime? Alors.
Allez. Allez, meurs. Faut juste qu'on trouve l'entrée et on sera au niveau 10. Alors, ma foi, moi, je dis que ça serait plutôt cool. Je sais pas où on en est au niveau des minerais de cuivre, pardon. De fer. Oui, tout à fait, du fer, du fer. Allez, meurs, bon sang. Sacré slime. Hop, allez, meurs. Alors, voilà. Bon, ça, c'est parti. Non. Alors, où est-ce qu'elle est, l'échelle? Allez, s'il vous plaît, là. Ah, yes, elle est là. Oh, sacrément. Sacré bonsoir. Ah, non. Il n'y a plus le truc avec Clint. Parlez à Lewis. Ok. Bon, bah, je suis déception, les amis. Donc. Yes! On est arrivé 5 niveaux en dessous. Oh, je suis ravie. Il est 20h. Ah ouais, mais les 8, il va nous envoyer bouler, non? Très clairement. Est-ce que les 8 va nous envoyer bouler, les amis? Je crois bien. Je vais passer chez lui quand même, on sait-on jamais, mais... Hop, 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 hop. On va descendre là. Lewis, il habite sur le côté. Si je dis pas de bêtises. Il habite... Il habite là-bas en bas, Lewis. Attends, on va ouvrir la carte. Manoir du maire. Pour moi, c'est celui-là, mais... Il m'indique pas que c'est là. J'ai l'impression sur la carte. Ah si, c'est ça. Bonsoir. Ah, hello. Alors, tu as aidé pour notre problème de slime. Merci. J'espère que ça ne t'a pas causé trop de difficultés. Ces slimes peuvent s'avérer très dangereux lorsqu'ils sont groupés. Ça devrait être un peu plus facile d'aller faire de la spéléo maintenant grâce à toi. Profite bien de ta récompense. Ah bah, merci, Lewis. À la prochaine, Lewis. Et on a eu du gold. Et bah là, et bah vous savez quoi? On rentre à la maison, j'ai envie de vous dire. On est blindé. Donc on va aller vendre tout ce qu'il y a à vendre. Remettre dans les coffres. Et puis voilà quoi. Hop. Allez. Je sais pas combien de temps on en est. Il va falloir que je check ça. Histoire de pas faire un épisode qui dure non plus 50 minutes par exemple. Hop. On a vu un lapin courir. J'ai rêvé. J'ai dû rêver, parce que ça me paraît très bizarre de voir un lapin, mais bon. Oh, je suis déçue de ne pas pouvoir avoir mes graines, quoi. Tac, 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 tac. Hop, 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 hop. On vend tout ça. Le diplôme, il faudra l'amener au musée. Bon. Eh ben voilà, écoutez, on va aller dormir. Alors, on est passé au niveau 6, au niveau de l'agriculture. On aura plus d'efficacité sur l'arrosoir et la houe. On a clôture en bois massif, presse à fromage et arroseur de luxe. Ok. Donc pour le moment, on n'a rien qui a rapport avec la bière. Il va falloir que j'y regarde parce que, bah voilà, le truc de Pam va pas se terminer tout de suite. Donc voilà, on est au jour 18, donc on va s'arrêter là parce que la vidéo durera bien assez longtemps. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, je vous retrouve la semaine prochaine pour un suivant. À demain pour une prochaine vidéo, portez-vous bien les amis et bonne soirée, bye bye à tous.